Bienvenue à tous à votre émission, à vous la parole. Le siège de prière du jour vient de s'achever et nous allons permettre à quelques agneaux de nous dire ce qu'ils ont pu retenir au cours de cette session de prière. Ce que moi j'ai retenu aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours pardonner, mais même si chose assez grave. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de pardonner à tous ceux qui me font du mal. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Maman Apoutri a dit que quand on a quelque chose dans le cœur, quand on a fait des péchés qui sont dans le cœur, quand on prie, Dieu ne peut pas nous exaucer. Donc, on va le prier, on va se répentir pour que Dieu nous exauce. Amen. Amen. Merci beaucoup. Moi, ce que j'ai compris, on doit toujours prier. Il ne faut pas se fâcher. Même si la nourriture n'est pas encore prise, il ne faut pas se fâcher. Il y a certains amis qui sont fâchés. Tout ça, on appelle ça l'orgueil. Donc, tu dois rester, tu dois attendre. Lorsque tu vas te lever pour aller chercher ta nourriture, donc tu peux prier, tu peux faire certaines activités, et tout ce qui m'a compris. Amen. Amen. Maman Apoutri a dit qu'il ne faut pas garder des rancunes dans son cœur, qu'il faut pardonner à tous ceux qui nous font du mal. Amen. Amen. Merci beaucoup. Maman Apoutri nous enseigne aujourd'hui, c'est comment ne pas garder de rancunes envers un frère. Nous devons nous confier aux monitrices. Si nous avons des besoins, un péché qui nous fatigue, nous devons lui confesser pour qu'elle puisse nous aider à changer de vie, afin que nous finissions ce camp des enfants, nous retournons notre localité changée, transformée, comme le thème le dit, être disciple et demeurer disciple. Amen. Aujourd'hui, ils ont parlé sur le cœur. On a dit de ne pas garder de rancune contre des frères et que si on avait des rancunes contre des gens, on devait les pardonner, de dire à Dieu de pardonner, donc de nous délivrer, que les rancunes cessent, c'est tout. C'est ce qu'on a parlé, j'ai compris. Merci. Ne rien garder dans son cœur contre son prochain, c'est ce que les enfants ont retenu au cours de ce siège de prière. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur les antennes de la RTVC, la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Et que Dieu vous bénisse.